تمام، مرحبا بكم. جهاد مجدوب استاذ جامعي ومشرف على التظاهرة هذيا لا 8 اديسيون دي جورني انتربريز. التظاهرة هذيا عبارة على ايفينمون اللي نعاودوه كل عام في تي بي اس واكوير تو نو بارتنير اون كونت بور سيت اديسيون بلوس كو 60 انتربريز بريزونت على ايفينمون. L'idée c'est de mettre en contact en fait les étudiants avec les entreprises, avec les responsables RH, que ce soit pour discuter des problématiques de stage, de PFE et de l'employabilité. C'est une action qu'on répète chaque année puisqu'on est à la 8e édition. C'est une occasion pour l'étudiant chaque année donc il capte le networking, il capte le relationnel avec les entreprises ou il a une perspective petit à petit. Inch'Allah, l'Achi, Zed Akif, on a une conférence, ça va porter sur un thème assez intéressant aujourd'hui, l'intelligence artificielle générative, impact et défis sur l'environnement et sur l'éthique, car pour l'émergence aujourd'hui de l'intelligence artificielle, Haja Khark Al-Ada, mais ça n'empêche, il y a un impact de tout ce qui est éthique ou tout ce qui est environnemental. Donc, Inch'Allah, l'Achi, on va débattre avec tous les enseignants, les professionnels et les étudiants, Inch'Allah, connaissent pas. Pour voir comment mettre en place un écosystème en fait avec l'intelligence artificielle tout en gardant l'aspect éthique et l'aspect environnemental. Merci à tous les gens qui ont été comme هذيكي هدف الفوت من تيبل ماركتينغ دريكسل ماير تونس. اليوم بحضركم في الحمامات بحضر الاي تي بي اس نوتر بارتنير استراتيجيك اللي في لي ايفينمون كيف هذوما اون اي لا بور افوار اون ايدي اكثر على التالنتس نتاعكم اند واي نوت تكونوا بارمي دريكسل ماير فاميلي. مابيل وسيم بن ديميراد، سو لو ريسبونسابل لا كوبيراسيون دو ريكروتمون انترناسيونال في واي سكول. Y Schools va ITBS, on est partenaire depuis déjà 2019 et en fait nous proposons une poursuite d'études aux étudiants de ITBS chez nous en France à Y Schools. À savoir que Y Schools est un écosystème de plusieurs écoles. Il y a une école de management, une école de tourisme et une école de design. L'intérêt ici est d'intégrer un de nos programmes de master en management afin de vous donner la double compétence ingénieur, manager, d'être diplômé en France et de pouvoir ensuite soit rentrer en Tunisie pour développer un business, soit pour rester en France pour y habiter et y travailler. Je m'appelle Déborah Mapifat, étudiante à l'IT Business School, en première année en logistique de transport et commerce international. C'est ma première fois, ma toute première expérience dans les GE8. J'attends plus dans des entreprises, des stages d'été, des formations. La conférence nous apprendra beaucoup plus dans l'entrepreneuriat, le management, comment se challenger, comment se guider dans différentes choses. Ainsi que la conférence, c'est différents participants qui nous permettent en fait un contact direct avec des entrepreneurs, avec des chefs d'entreprise, afin de nous faciliter dans notre formation future. Merci.